Alors, je m'appelle Alfred Gessler, je suis désolé, j'ai un accent. Je suis européen, je ne suis pas français. Et comme Eric, il a présenté, oui, je suis agriculteur. J'ai vendu des semoirs sur toute la France. Alors, je connais un tout petit peu la France. Aujourd'hui, avec ma fille Marie-Thérèse, on travaille sur la compréhension du sol. On essaie de comprendre pour certaines choses, car certaines grandes idées, ils ne fonctionnent pas comme ça devrait fonctionner. Alors, plus on découvre, plus on a des questions. Et c'est quelque part logique, parce qu'on travaille avec les vivants, et les vivants, c'est très, très compliqué. Et comme on ne connaît pas encore quand je suis, ben, on a encore du travail, nous et nos enfants qui vont venir après. Qu'est-ce qu'il est important si on se pose cette question du sol? C'est relativement facile à comprendre de nouvelles idées. Tout le monde dit c'est super, mais on s'accroche en permanence aux anciens. On a du mal à lâcher. Tout le monde sait, par exemple, ben, un maïs, il devrait être semé en direct et pas en TCS. Parce que si je recommence à travailler le sol, on supprime une partie du travail de champignons qui était mis en place pendant la couverture. Tout ça, ce sont des choses. Ben, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est travailler sur le sol, c'est important, mais c'est beaucoup plus important de travailler sur la tête. Sur la tête des personnes qui utilisent certains systèmes. Deuxième chose, pour moi, on ne devrait pas oublier, c'est l'influence que l'agriculteur il a sur tout son entourage vivant, sur les personnes, sur le sol, mais aussi sur les personnes. Il y a un autre dicton qui dit « Tout le monde a besoin dans sa vie, une fois un médecin, une fois un avocat, mais trois fois de la journée, un agriculteur. » Alors, vous pouvez être fiers. La qualité des sols, c'est quoi? C'est son teneur en argile, en sable, en limon, ou est-ce que c'est plutôt la vie qui est à l'intérieur? Pour moi, c'est plutôt la vie qui est à l'intérieur. Et dans la vie, qu'est-ce qui est très, très important? Ce sont des équilibres. Des équilibres entre des éléments fertiles, entre les minéraux, mais aussi des équilibres entre champignons et bactéries. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur notre sol aujourd'hui? Ben, on a beaucoup de bactéries, mais on n'a pas du tout de champignons. Ou très très peu de champignons aujourd'hui. Et pour ça, on a un dysfonctionnement de notre sol qui décline avec des problèmes de désherbage, qui décline avec plein d'autres choses. Et pour ça, ben, il faut retrouver cet équilibre-là. Et pour ça, ben, la première chose, c'est nourrir le sol et arrêter de travailler mécaniquement. Alors, si on parle équilibre, il faut toujours prendre la biologie, la physique et la chimie ensemble. Quand moi, j'ai commencé à faire du semi-direct il y a une vingtaine d'années, on a dit, la biologie, elle va venir tout seul. Tu ne t'occupes pas, tu sèmes des plantes, tu nourris des plantes en permanence. La biologie, elle va revenir. Non, c'est faux. Si on n'a pas un certain contexte de la chimie, si on n'a pas un certain contexte de la physique, ben, la biologie, elle va se dégrader très, très rapidement et on a des pathogènes à la place des animaux ou des champignons qu'on a besoin. C'est très, très important. On dit, les phosphores, ils sont pas disponibles au moment qu'on n'a pas un certain champignon qui est le support. Pour les bactéries, ben, le phosphore ne sera jamais libéré dans le sol par la vie biologique. Alors tout ça, il faut toujours prendre l'ensemble et essayer de comprendre le fonctionnement du sol ensemble. Alors, pour vous montrer, on parle beaucoup des insectes, on parle beaucoup des maladies. Ça, ce sont deux moutardes qui étaient semées le même jour. Ils se sont développés pendant 3 mois en parallèle. Jusqu'à arriver un jour, la moutarde, ici, a été complètement dévorée par les insectes et ça a pris 2 journées peut-être. Alors, où est la différence? La différence, elle est dans les sols. Ici, c'est un sol avec une teneur de matière organique environ 2. Ici, c'est un sol avec une teneur de matière organique environ 3,5. On n'a rien fait, on n'a pas apporté des éléments. On a laissé faire tout simplement le sol pour voir qu'est-ce que ça donne. Et il me semble... L'insecte qui a mangé ici, ben, il n'était pas trop feignant pour aller ici, sur cette moutarde-là, qui était vraiment à côté. Il ne s'était pas séparé avec une mur ou quoi que ce soit, il était vraiment côte-côte. Et c'est ça que peut montrer que Gilles, elle disait tout à l'heure, avec l'état de la santé, l'état santé,
de la plante, au moment qu'elle est bonne, elle n'est pas bonne. Des plantes stressées, ils fabriquent des glutathions. Et les glutathions, ils attirent les insectes. Et là, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Si la plante, elle est stressée, ben, elle est mangée. Alors, il est très, très important d'avoir une fertilité du sol qui est équilibrée. Et la plante, elle devrait trouver tout ce qu'elle a besoin pendant sa procédure de développement. Alors pour vous montrer un peu, j'aime bien de travailler avec des photos. Ça, c'est un colza qui est semé en direct dans le nord de la France, il y a un an. Visuellement, le colza, pour moi, il est très bon. On peut dire qu'il est trop tru, il est trop vert, aucune importance. Mais si tout le monde était capable de faire des colzas comme ça tous les ans à cette période-là, il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient contentes. Par contre, si on fait une analyse maintenant de cette colza, ben on constate quand même qu'il manque de magnésium, il manque du bore. Et pourquoi les deux éléments sont importants? Le magnésium, ça rentre dans les compensations essentielles du chlorophylle. Alors ça veut dire, si on a un manque de magnésium dans la plante, l'efficacité de la photosynthèse de la plante, elle est limitée. Le bore, ici, c'est essentiel pour le transfert de sucre vers les bas. Si les bores, ils manquent, la plante, elle a du mal à envoyer les sucres en bas dans les sols pour nourrir la biologie. Hier ou avant-hier, c'était dit, c'est la feuille qui nourrit les sols. Mais si la photosynthèse, elle marche mal, ben elle va mal nourrir le sol. C'est une analyse de la plante de la lucerne. C'est quelque chose qui m'a vraiment choqué personnellement. Une lucerne, il me semble, c'est une légumineuse. Une légumineuse qui n'est pas capable de chercher son besoin en azote. Parce qu'il me semble, une légumineuse, souvent dans les fermes d'élevage, elle est utilisée pour nourrir les animaux. Il manque de l'azote, il manque du magnésium, il manque du soufre, il manque du bore, il manque du manganèse, il manque du cuivre. C'est impossible que cette plante-là, elle fonctionne correctement. Et pourquoi il manque de l'azote? Parce que magnésium n'est pas là, bore est limité, manganèse est limité, cuivre est limité. Tout ça, ce sont plus ou moins des éléments essentiels pour la fonctionnalité de la photosynthèse. Alors, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Avec une nutrition comme ça, c'est évident, vous ne pouvez jamais nourrir correctement les animaux. Mais bon, on ne va pas rester avec la lucerne. Ici, une analyse foliaire d'une céréale. Beaucoup trop d'azote au moment de ce prélèvement-là. Aujourd'hui, ben, il faut réfléchir beaucoup sur comment on peut utiliser le mieux l'azote minéral pour nourrir correctement les plantes. Alors, quand on voit ça, c'est jamais bon. Parce qu'un excès d'azote, ben, il va sensibiliser au fusarium. Il peut provoquer piétin et chaudage et la rouille. Et à nouveau, le manque de magnésium, ben, il va limiter le fonctionnement du chlorophylle. Et si on a une limitation du chlorophylle, d'efficacité du chlorophylle, ben on a une suralimentation à nouveau avec de l'azote. La plante, elle n'est pas capable de transférer l'azote absorbé en protéines. Et après, elle a trop d'azote dans ses sèves. Et à nouveau, elle va attirer des maladies et des insectes. Et quand on regarde, ça c'est pour le maïs. Si on prend certaines maladies qui existent aujourd'hui, c'est lié à quoi? À manque de champignons qui libèrent du calcium et du phosphore. Il y a toujours une explication pourquoi les plantes sont malades aujourd'hui, sauf on ne les trouve pas dans les sols, parce que les camemberts, comme ils sont présentés ici, on les voit vraiment très très rarement. Je ne sais pas si vous connaissez la société Precifield. C'est une société qui fait la cartographie des parcelles aujourd'hui, qui mesure 3 ou 4 différentes valeurs, en d'autres, la matière organique. Et qu'est-ce qu'ils trouvent aujourd'hui? C'est en grande culture, les teneurs de matière organique, c'est entre 1,2 à 2. Et là, c'est impossible et on arrive à nourrir correctement les plantes.
Pourquoi c'est important? Et où est la différence entre pour moi entre une matière organique et l'humus? C'est quelque chose qui est dynamique en permanence, ça vit. Et quand on parle uniquement matière organique, pour moi, il faut prendre la partie vivante, ça veut dire des bactéries, champignons et tous les autres insectes ou d'autres êtres vivants dans le sol, il faut prendre avec. Et sinon, on marche, ça ne peut pas fonctionner correctement. Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Les mycorhizes, ils meurent sans racines vivantes. C'est vraiment la plante verte qui nourrit le sol. Ce n'est pas les résidus. Et quand on regarde qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'humus, ben plus on va augmenter les teneurs de l'humus sur une certaine profondeur, automatiquement on va augmenter les éléments fertiles. Et aujourd'hui, on est concentré beaucoup sur NPK, mais dans l'humus, il a tous les éléments traces qu'on ne parle pas parce qu'on ne le connaît pas. Et ça, c'est aussi c'est très, très important. Et dans l'humus, les éléments ils sont beaucoup plus équilibrés que nous, on peut les apporter aujourd'hui. Alors, quand on parle du sol, ben, vous connaissez certainement cette image-là. Qu'est-ce qu'il est dans ce sol? C'est des trucs qui sont vraiment énormes. Je suis désolé, ça ne me dit rien. Je sais des chiffres élevés, mais qu'est-ce que ça signifie derrière? Alors, comme je ne comprends pas, ben, je mets en tableau. Ça veut dire avec 1% de matière organique ou 1,5%, on a environ, ne prenez surtout pas les chiffres comme quelque chose d'absolu, on a environ 2,7 tonnes d'êtres vivants dans les sols. Et si on dit un sol qui fonctionne bien, il devrait avoir entre 4 et 6% de matière organique, ben, il faut être capable de nourrir entre 7 et 10 tonnes d'êtres vivants. Alors, qui réfléchit correctement aujourd'hui dans ce système? Comment il faut nourrir 8 tonnes d'êtres vivants avec une plante vivante? Très peu de personnes. On se casse beaucoup la tête pour la production de biomasse aérienne. On parle beaucoup des couverts, mais quels moyens on se donne pour avoir une production pour une nutrition ici? Si on fait un calcul en théorie, je dis bien c'est la théorie, si j'ai 6% de matière organique, si je calcule ça en équivalent vache, qui sont dans 10 tonnes d'êtres vivants, on devrait fabriquer en théorie 180 tonnes de matière sèche par an, à l'hectare. Si on veut obtenir ces chiffres-là, ben, il faut vraiment réfléchir autrement sur la nutrition du sol. Et qu'est-ce qui est très, très important aujourd'hui? C'est l'efficacité de la photosynthèse, parce que c'est elle qui va nourrir le sol. Il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui, alors je ne suis pas spécialiste, je suis agriculteur, l'efficacité des photosynthèses aujourd'hui, de ce panneau photovoltaïque, il est entre 30 à 40% maximum. Ça veut dire qu'on a une inefficacité de la photosynthèse qui est entre 50 à 60%. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont des panneaux photovoltaïques sur le toit. Il me semble que quand on a une efficacité de 50%, on n'est vraiment pas content. Et la différence entre la personne et le sol, les sols, on n'entend pas quand ils commencent à rouspéter. Alors, on prend un schéma très simple. La plante, elle prend l'énergie solaire, elle nourrit avec des différents éléments. Elle va amener des sucres, des différents sucres dans les sols pour nourrir des bactéries. Et selon la nutrition, elle est ici, les bactéries, ils vont libérer ou ils vont chercher dans la roche-mère des éléments. Magnésium, azote, cuivre, tout ce que la plante elle a besoin pour nourrir à nouveau la plante. Maintenant, si la photosynthèse ici, elle fonctionne très très bien, les différents sucres, et en plus quand on a des plantes diverses dans la rotation ou dans la couverture, la nutrition par des sucres libérés par la plante, ils sont complètement différents et la plante elle est capable de créer des lipides. Qu'est-ce que moi j'ai ici? Et au moment que la plante elle est capable de créer des lipides, elle va nourrir des champignons. Et ces champignons, après, qui peuvent faire une humidification de votre sol. Si on n'a pas une bonne nutrition de la plante parce que la photosynthèse ici ne marche pas bien,
La nutrition, elle n'est pas pareille. La plante, elle est toujours fatiguée, c'est nourrir. Et au moment qu'elle se fatigue, elle n'a pas le temps ou la force de créer des lipides. Et au moment qu'elle peut pas avoir envoyé les surplus de la nutrition dans les sols pour nourrir les champignons, on n'a jamais une humification. Et qu'est-ce qu'il arrive ? Ben, on a un non-fonctionnement ou un mauvais fonctionnement du sol et on a beaucoup plus de risques de maladies à cause des malnutritions de la plante. On peut montrer aussi différemment. Photosynthèse optimisée, digestion par les bactéries qui minéralisent, qui cherchent les éléments du roche-mère ou des éléments qui sont bloqués, qui libèrent. Ça donne une libération des éléments plus importants, digestion par les champignons, humification. Et pourquoi c'est important d'avoir des espèces très très variées? C'est une étude, vous pouvez relire ici. Plus on a des espèces, plus la biomasse racinaire elle est importante. La biomasse aérienne, la biomasse racinaire, les exsudats est différente. La qualité des exsudats est différente. La qualité, ce n'est pas uniquement une question des masses. La biomasse bactérienne, la biomasse fongique, elle est complètement différente. Et si demain, je veux vraiment avoir un sol qui fonctionne, ben, il faut que je prenne ça en compte. C'est la plante vivante qui est en forme, qui nourrit correctement mon sol. Plus on a une photosynthèse qui est efficace, plus on a une production des lipides, et mieux, la création de l'humus, elle va fonctionner. C'est quand même l'humus qui est la base du fonctionnement de notre sol. Là, vous voyez, la création de sol, elle est faite par les micro-organismes. Vous voyez, les rouges, ce sont des micro-organismes, les bleus, c'est de l'eau, les bactéries, c'est les jaunes, et les noirs, ce sont des champignons. Alors, plus vous avez des bactéries, c'est eux qui commencent à faire les micro-agrégates, le plus petit dans les sols, et à la fin, ils sont liés par les champignons pour avoir une agrégation des sols correctement. C'est ça qu'est-ce qu'on peut voir ici. Là, l'agrégation des sols, elle commence. Là, c'est un sol, ben, il est un peu fatigué parce qu'il manque la nutrition correctement pour les bactéries des champignons. Et c'est ça, malheureusement, qu'on trouve beaucoup, surtout on a un sol en dessous de 2% de matière organique. Merci beaucoup.